petite musique, la coupe aux grandes oreilles, on y est dans un instant. C'est le grand match, c'est la finale de la Ligue des Champions. Le match s'annonce serré, mais qui va finir par l'emporter? La réponse, tout de suite. La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale du UEFA Champions League. Depuis le stade, on sent une grande ambiance. C'est l'ambiance des grands rendez-vous. Pour les deux équipes, cette finale de l'UEFA Ligue des Champions, c'est le dénouement d'une aventure extraordinaire. C'est la dernière marche de cet escalier qui nous amène vers la Lune. Mais quoi qu'il arrive, chaque équipe pourra être fière du parcours réalisé. Grosse colère du coach après cette occasion manquée. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Le 3-5-2 avec deux pistons sur les côtés. C'est de là qu'il part toute l'animation, toute l'agitation dans ce match. Voilà la compo officielle. Le 3-5-2 dépend du travail des latéraux ou des pistons, comme on dit. Ce n'est pas une tactique, c'est un moteur. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Zaïre Emery. Et le bon centre là, peut-être. Ah, ça passe pas loin du tout. Partout dans les journaux depuis quelques jours, c'est une authentique légende dans ce club. Sa retraite va laisser un grand vide. Oui, c'est un moment important pour ce club et pour le joueur. Et quand on regarde dans le rétro, quelle carrière, quelle trajectoire quand même. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Et il prend sa chance. Et le but, ça y est. Les filets tremblent. La finale bascule. 1-0. Goal, 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 goal. Voilà ce qu'il sait de convertir en bonheur un moment de suspense. Faire reculer ton rival, le coincer dans sa surface, l'asphyxier, l'étouffer. On sentait que le but allait arriver. Match très tendu et ce but très important qui peut leur donner la victoire. D'ailleurs, même leur coach est sorti de sa réserve pour manifester sa joie. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et on en a entendu parler un peu partout avant ce match. Pas mal d'interrogations à ce sujet. Beaucoup pensent que ça sera sa dernière saison en pro avant la retraite. Ça va être très compliqué de le remplacer. Oui, mais il faudra bien. Son talent est peut-être unique, mais personne n'est irremplaçable. Je suis sûr que les dirigeants travaillent déjà sur des pistes. On pourra lui succéder, mais pas le remplacer. Ah, le stade réclame une frappe. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Voilà un corner pour essayer de revenir dans la rencontre. Ah, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Excellente l'intervention dans la surface. Et il y a un contre possible à jouer là.
tête là, peut-être un centre. Allez, il faut la tenter. Magnifique ce contre. Oh, c'est un bon ballon ça. Oh, c'est contré. Et pourquoi pas, de loin. Oh, il y a encore le feu. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Et peut-être quelque chose sur ce ballon. Et ouais, le bon geste défensif sans commettre de faute. Sortie en touche. Zaïre Emery. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Oh, c'est bien défendu. Alors, il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. L'arbitre qui décide de revenir à la faute. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et belle passe en profondeur. Ah, le bon réflexe là. Vers l'intérieur, oui, il y a de l'espace. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est vraiment l'effervescence. Tout le monde parle de cette possible opération. Et oui, même si personne n'en sait rien, ça passionne tout le monde. On discute, on a un avis, on le partage. Les rumeurs des transferts, c'est le feuilleton du football par excellence. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passe. Castro. Warren Zaïre Emery. Ah, c'est une transmission bien coupée. Peut-être un bon contre à négocier là. Attention à ce ballon qui traîne. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. On n'est pas passé loin des légalisations avec cette frappe. Cet arrêt est absolument décisif. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Un peu de chance pour tenter une frappe. Arrêt exceptionnel, le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre.
Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Et depuis là, il repique dans l'axe. Les Béticos qui reprennent ce ballon. Attention, voilà un bon duel. Ça fait trembler le filet, le but pour creuser l'écart. Le trophée se rapproche avec ses deux buts d'avance. Regardez, il est magnifique ce coup passe laser. Il est télédirigé et il vient ouvrir tout à la défense. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Newen. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Ah, il y a la place pour une frappe. Il faut frapper maintenant. Et voilà, la note qui s'alourdit encore un peu plus dans cette fin de match avec ce but. Les voilà maintenant à plus 3. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Avec Dubois. Allez, 5 minutes à jouer encore, mais entre ces deux équipes, il n'y a pas eu de match. Allez, le danger bien repoussé par le gardien. C'était très chaud sur la cage, mais ça finit bien cette intervention. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Diakhtiev est dans la surface. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Possédé du ballon. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Il remporte cette Ligue des Champions. Vamos, grande los campeones. Et oui, ils l'ont fait. Ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'Europe. On peine à y croire, c'est un moment extraordinaire sur le terrain. Certains sont heureux, effondrés, d'autres sont en larmes. Quelles images. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de le dire. Gracias football, gracias football. La remise de la coupe, c'est le moment dont ils rêvent tous
depuis qu'ils ont débuté leur carrière. La Coupe Grandes Oreilles, c'est la culmination d'une vie pour des supporters, pour les joueurs, les dirigeants. Il n'y a rien au-dessus de ça. C'est tellement difficile d'en arriver là. J'en rêve encore, alors que je ne l'ai jamais joué et j'ai plus de 60 ans. Pour eux, c'est maintenant que le rêve devient réalité. Et voilà, ils soulèvent la Ligue des Champions. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions, de passions à l'intérieur des cœurs. C'est une énergie incroyable que tu dois partager. Les grandes victoires, c'est toujours des grands moments de partage. La cérémonie continue avec cette communion. C'est l'heure maintenant d'aller présenter la Coupe aux supporters. Ils les ont soutenus, ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours. Et oui, parce que le football, c'est ça. Le football nous promet des émotions et de la beauté. Il n'a pas plus belle consécration. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur les photos. Vous savez pourquoi? Oui, évidemment. Avec les petits. Et vous? Moi toujours derrière, avec les beaux gosses. Just a moment of your time. Thanks so much for your time. That's all.